Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer bouger? Est-ce que nous n'avons pas changé la terre à voir? Si vous voulez pousser les puits des gens, est-ce que nous n'avons pas changé tout le monde? Tu possèdes, c'est Jésus qui te l'a donné, mes aimés. Bien, mais là aussi, tu vas lever tes mains. Parce que ça, c'est un moment idéal. Quand nous voulons faire une rencontre avec Jésus, le temps de sa vie remplissait les gens. J'aimerais dire à un jeune ce soir que la présence de Jésus en ce lieu, tout là, il y a pas. La Bible dit là où il y a une civilisation. Il est là, bien aimé. La Bible dit, parmi tous ceux qui sont les divins, il n'y a pas Paris, celui qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais il met une analogie en disant, celui qui est plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et bien passer la chose à Jean-Baptiste. J'aimerais que tu puisses prendre une attitude d'un enfant. Oublie tes diplômes. Oublie ton nom. Oublie tout ce que tu penses. Ça fixe ton regard vers Jésus comme un enfant. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Par la loi, pourquoi? Pendant les jours de ta jeunesse, c'est quoi il y a jeunesse là. Marche dans le voile de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Voilà. Mais sache que, au Dieu quoi, bah, pour tous ces Dieu t'appelle en jugement. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute Ève en jugement. Je laisse tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14, la Bible dit, j'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, ici tout est vanité et poursuite devant. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole encore une fois, l'église? Vous allez vous passer chacun. Notre Dieu, c'est le lion de la tribu. Notre Dieu, vous voyez tout. Non, c'est le chevalier d'Apocalypse. Je te présenter un témoignage qui n'est pas limité à ce que la technologie. C'est pourquoi Dieu a fait dire à Moïse. Moïse voulait partir. Moïse a refusé de partir. Moïse avait dit à Dieu. Mais comment est-ce que je vais combattre le Pharaon? Pendant que moi, je suis un homme. Non, j'aime ce que Dieu a dit. Moïse, oui. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, un Dieu, un homme physique, ne peut combattre un Dieu. Pour que un homme puisse combattre Dieu, il doit avoir la dimension de Dieu. Il doit être Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon, Moïse n'a pas hésité. Il est parti, bien-aimé. Je vais te dire ce soir. Je vais changer ton identité. Et tu auras la nature de Dieu. Est-ce que tu changes ça ce soir? La nature de Dieu. Une personne qui a la nature de Dieu ne peut jamais commettre des erreurs. Ne peut jamais faire le mauvais. Parce que moi je porte la nature de Dieu. Je dis tout ce qui vient. La personne que Dieu a sélectionné. Quoi? Le diable aussi. Est-ce que vous savez ça? Être la joie. C'est pourquoi il faut ici notre vie de sanctification. Chaque fois quand nous entrons dans les péchés. Bien aimé, belle loi. Nos vies. Maïchaïd, viens. Et nous devenons dans cet état, devenons le prodigal. Je vais interpeller un jeune cet après-midi. Ne pas dire, nier que Jésus est là en train de te chercher. Si je suis venu en ce lieu, c'est parce que Dieu a besoin de changer de vie. Il dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 20. Il dit, voici je me tiens à la porte. Je tourne. Si quelqu'un écoute et ouvre son cœur. J'entrerai dans ce souverain avec moi.